je parle. Avec sûreté, quand ce silence, je parle. Car j'ai vu des autochtones arrachés de leurs terres. J'articule en lieu de ces envahisseurs réfléchis avec des cœurs maigres. Ces souverains indifférents qui méprisent les suites comme des nègres. Sans pareil, j'ai vu des peuples se révolter, ensuite prendre des décisions. Des nantis jeter de la bouffe et des démunis qui se meurent sans solution. Plus le temps cortège, autant dans son nez les révolutions. Noël Isidore, capitaine Thomas Sankara. Je parle. En vrai, j'ai vu et entendu des armes à feu annoncer les levées du soleil. Sur mes terres, j'ai vu des armes blanches défier la montée des étoiles. Dans mon rêve, j'ai vu un tout petit monde d'aujourd'hui. Autour des tsunamis, des délires, voire même des intempéries. Des attentats habillés par le terrorisme, en lieu et place des djihadistes. Des bombes à fragmentation nucléaire, non admis dans des hadiths. J'ai vu des braves communautés s'en aller à cause de la famine. Des familles se scinder, occasionnées par des guerres et des mines. Je parle carrément des étudiants et élèves que j'ai vu se livrer à des grèves dirigées. Des fidèles habitants des banlieues partir à cause des toits troués. Des grandes avenues en quête d'auto, et peu importe le taux. Des océans pollués sollicitant des transports venant des ports, j'ai vu. Une énième larme d'un père se verser pour calmer la soif. Des têtes se raser pour étancher le sang de gauche à droite. Je parle, assurément des hommes que j'ai vus se dévorer pour ne pas succomber à la faim. Avant la queue de ces récits, j'ai appris encore la faim de quelques-uns. J'ai vu des femmes se prêter les seins pour sauver des gosses. Des villages, des villes ressembler à des cimetières et à la hausse. J'ai vu des tombes transformées en chambres à coucher. Des épitaphes utilisées en plein temps comme des boucliers. Des femmes enceintes violées, insultées, torturées, puis calcinées. Je parle. J'insiste à avoir vu le chanvre indien conduire mes frères sur plusieurs fronts. Des balles tirées à bout portant se loger lentement dans des fronts. J'ai connu la paix, j'ai connu aussi la guerre. Bref, un peu de l'enfer. Voici que les entreprises de fortune se reposent sous des gravats. Des mômes qui se meurent de coche à corps, de VIH ou de malaria. Des conformes frères de sang se dépiécer les corps et tout ça. Je parle, convaincu car j'ai vu de l'or se produire par milliers en once, les rapports partir en l'air. Des trolls venir en tas sans couverture à la conquête de la terre. Des hommes conscients en train de déféquer pour se nourrir. Des médiums parmi les ethniques pour prédire leur avenir, j'ai vu. Notre horrible monde se cacher avec bassesse dans son ombre. La terre se plier sur elle-même car autour tout était sombre. Les derniers survivants de guerre se détestaient à cause du partage. Des nouveau-nés qui dorment ensuite se meurent dans nos rues. J'ai vu les profanes s'unir dans le contraire au point que je suis perdu. Aujourd'hui mes rêves se dessinent par la paix. Un peu schizophrène, je suis confus. On s'oppose à la violence parce que lorsqu'elle semble produire le bien qui en résulte n'est que transitoire, tandis que le mal produit est permanent, grandit,